Je l'ai examinée avec attention. À l'évidence, cette technologie est issue d'une autre époque. Toutefois, je pourrais peut-être adapter la téléportation afin qu'elle fonctionne aussi dans notre espace-temps. L'expérience serait enrichissante, si tu veux bien me la confier. Oui, je vous en prie. Si cela peut vous être utile, Dame Mineru. Dans ce cas, je la garde. Cela confirme que je viens du futur, n'est-ce pas? Et que je ne vous ai pas menti. Pour ma part, je n'en ai jamais douté. Alors dis-nous, ma sœur, existe-t-il un moyen de renvoyer Zelda à son époque? En connais-tu un? Si tu as pu voyager ainsi dans le temps, c'est certainement grâce à la pierre que tu portes. Peut-être l'ignores-tu, mais les pierres occultes amplifient le pouvoir de leur porteur. Le mien, par exemple, me permet de séparer mon corps de mon esprit. Raoru possède le pouvoir de la lumière qui dissipe les ténèbres du mal. Quant à Sonia, elle soumet le temps à sa volonté. Je perçois deux pouvoirs chez toi, celui du temps et celui de la lumière. Mais la pierre que tu portes n'en amplifie qu'un seul, celui du temps. Oh, le temps. Ta pierre est puissante, mais elle ne peut que renforcer ce qu'elle trouve en toi. C'est à toi qu'il revient de connaître ton pouvoir. Elle ne t'y aidera pas. Je crains donc que si tu ignores toi-même comment retourner à ton époque... Oh. La légende qui entoure les pierres occultes parle d'une pratique interdite, connue sous le nom de rite draconique. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Oh. Oui, c'est une autre façon de traverser le temps, même si ce n'est pas la plus rapide. Et tu as très certainement des raisons de croire que cette légende est fondée. Oui. Mais vous n'avez pas encore entendu la fin. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Voilà pourquoi cette pratique est interdite. C'est une solution au problème qui nous occupe, c'est vrai. Une façon différente de traverser le temps. Mais à quoi bon regagner l'époque d'où tu viens si tu en oublies qui tu es? Je regrette, je crains de ne pouvoir t'aider davantage. Le problème reste entier. Mais je suis confiant. Traverser le temps, ça n'a rien d'impossible puisque tu l'as déjà fait. Que dirais-tu de te pencher un peu sur ton pouvoir? Je suis sûr que Sonia serait ravie de te servir de professeur. Très bien.
un troupeau entier. Ils sont nombreux. Impossible de dire combien. Les Moldarkor ne sont pas grégaires. Pourquoi attaquent-ils en groupe? Moldarkor, ils ont été décimés! Par quel prodige? La force ne nous mènera-t-on nulle part? Les fameuses pierres occultes des Sonao. Très intéressant.